Salut les petits loups. Angel son casque à 5h10 du matin. Qui mange ses petits gâteaux. Bon, allez. C'est vendredi. Et le vendredi, tout est permis. Bah, il n'est pas permis de ne pas aller travailler. Ça, voilà. Un petit tour de l'appart. Le Tocqueville. Ah bon, tout seul, Title Power, bien sûr, toujours à côté pour le panneau solaire là-bas. C'est qu'il y a du soleil, on peut le recharger. Et puis après, elle nous sert pour passer l'aspirateur. Et oui, on évite de brancher l'aspirateur sur la prise. Oula. Et puis ce canapé. Donc là, ce soir à 17h, on va chercher avec Stéphane trois meubles bas pour mettre ici, là. Trois meubles bas pour mettre ici, pour les couverts et tout ça, pour ranger un peu. Parce que tout est dans le placard sous l'évier, alors je ne dis pas le bazar. Donc trois meubles bas pour mettre ici. Pour les couverts, les assiettes, etc., les gamelles. 50€ les trois meubles. En plus, ils sont super beaux. Ils sont juste à côté, là, la commune à côté. Donc, en plus, j'ai récupéré le Nemo hier parce que la Clio, elle s'en va au garage pour un futur contrôle, là, le 23. Donc, le patron va charger d'amener la Clio au garage, donc en contrepartie on a pris le Nemo. Comme c'est un peu plus grand, je vais décharger mon matos en arrivant ce soir à la boîte pour que le Nemo soit vide et puis après on puisse aller chercher les trois meubles. L'avantage c'est qu'on a l'ascenseur ici, donc ça va être un peu plus facile pour les monter là. Par contre, je crois que ça va être un peu moins facile où on va les chercher. Parce que la dame a dit qu'il y avait un escalier, les meubles sont à l'étage, donc il va falloir les descendre. Mais bon, à 50€ les trois meubles, en plus ils sont super beaux, franchement ils sont propres, de toute façon je vous ferai montrer ça. Donc voilà, pour 50€ les trois meubles, je trouve que c'est une bonne affaire. Donc c'est cool, pouvoir meubler un tout petit peu plus quoi. Bon, après ici c'est vide, mais bon, on n'a pas besoin d'autre chose que on a trois grands placards, donc c'est pas nécessaire d'avoir des gros living, des gros trucs. Voilà, on met les meubles pour le nécessaire. Voilà les petits amis, et ben nous on va partir au taf. Allez, à tout à l'heure. Bon, la voiture elle est jolie, les petits gobains. Joli, joli, joli. On a un petit coup de chauffe et puis on y va. Ta-da-da, quelle heure il fait? Moins 4. Moins 4. Allez, à tout à l'heure. Je m'en vais jeter ma poubelle. Et Dadia ne peut pas s'empêcher de fouiner dans les bennes. Bah, que voulez-vous? Quand on est tombé dedans tout petit, la vache, c'est gelé. J'ai jeté mon sac. Hop. C'est gelé. Plusieurs fois, je regarde s'il y a des trucs à traîner. J'ai mangé plus qu'un chocolat à l'accueil. Que des fois, il y a des beaux petits bouts de bois. Tu vois, pour bricoler. Ça fait des beaux carrés, mais j'ai pas d'inspiration pour le bois en ce moment. Ouais, il y a pas grand chose, hein. Beaucoup de déchets. La bâche elle est dure, je peux pas soulever en dessous. Bon bah tant pis, il y aura rien pour Dédia. Allez, deuxième chantier fait. Je perds mon pantalon. Et je perds mon froc. Enzo il serpille.
Et on est reparti. Ils ont fini. Et la Buenzo. Boss, boss. Ça se voit qu'il fait pas chaud. Hein. Allez. Et bah dis, pour le troisième chantier. À tout à l'heure. Regardez-moi cette belle journée. Alors là, on va avoir un grand super soleil. On va pouvoir mettre la batterie à charger sur le panneau solaire. Bah là, le power est plein, mais on va pouvoir mettre la petite Vévor à charger. Tout ça, ça va cartonner aujourd'hui. C'est super beau en plus. Magnifique, une belle journée. Coucou les petits loups. Oh, 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 oh. Le petit repas du dimanche. Un rôti en haut. Et les petites pommes de terre. Ah oui, bah, ma dia met du beurre. Ah mais c'est ça qui est bon. Donc rôti de porc, petite patate. Allez. Tout ça, ça part au four. La petite bougie qui va bien. Ah oh non, 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 allez bon. Allez, des bisous. Bon appétit. Il est beau, hein? Il est beau, Didier. Salut les petits loups. Bon, il est 7h. Il fait doux de chez doux. Bon, alors c'est de la flotte, hein, bien sûr, tout est trempé. Mais il fait hyper doux. Voire même, j'ai enlevé la veste. Ça faisait quelques jours que je ne l'enlevais pas. Je l'ai enlevé pour travailler, parce que là, le chantier qu'on fait, il fait bon. Donc voilà, je n'ai pas mis la vidéo en ligne dimanche. Vous l'avez bien vu, parce qu'on est lundi. Samedi, j'ai été faire le nettoyage du camping, j'ai oublié le téléphone à l'appartement. Donc, voilà. Donc, j'irai vous faire voir le nettoyage de Toto. Bah, c'est pas non plus. Mais ça aurait été bien de voir petit à petit l'évolution, quoi. Le avant, après, avant, après. Parce que bah, l'hiver avait fait quelques petits dégâts. Bon, tant pis. En tout cas, tout côté habitacle. C'est fait, salon, cuisine, tout ça. Il me reste la tête de la cuisine. Je refais un short et je reviens vers vous. À tout de suite. Donc, côté cuisine, donc la gazinière, les fenêtres, la banquette, le sol, tout ça, la salle de bain, qu'elle avait grand besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Bah, la chambre, les trois fenêtres à la chambre. Le frigo, je l'ai laissé ouvert, je l'ai nettoyé. J'ai retrié encore un peu ce qu'il y avait dans le fond du placard parce qu'il restait deux patates qui s'étaient un petit peu échappées. Elles avaient des germes. Donc j'ai réussi à les replanter. Donc voilà. Après, quand il refera beau, parce que là il pleut, et que j'aurai un moment, il faudra que je fasse tout le devant. Donc pas la cellule, le devant, la cabine. Donc volant, portière, etc. et rangement. Donc voilà. Et quand j'aurai fini le devant et la petite fenêtre de la cuisine que j'ai oubliée, il faudra que je fasse tout l'extérieur. Voilà. Mais il y a encore du travail, vous avez vu. Sur ce, eh ben, vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui vous avez trois shorts. Et ça, c'est une chose qui est très, comment on va dire, inhabituelle. Mais ça fait du bien parce que vous aimez voir Dia. Donc, voilà. Donc, on repart avec Enzo. On va mettre du linge à laver. Ah oui, tantôt, je vais chercher un porte-manteau avec inclus dedans un petit banc pour mettre à l'entrée. Il est trop beau. 20€. C'est la dame où j'ai été chercher les meubles de cuisine qui vend ça. Donc, j'y vais à 15h. Je suis contente. C'est exactement ce que je voulais parce que Stéphane, il a une façon de mettre ses chaussures qu'à chaque fois, il se baisse, il machin. Il est vieux, hein, papy. Donc, il veut un petit banc pour mettre ses chaussures. Et avoir la vidéo, va gueuler. Et allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon courage. Il va gueuler. Hein. Des bisous, bon courage. Et voilà, le petit porte-manteau, là, je vous disais ce matin dans les shorts, le petit banc pour papy, il a mis ses petites chaussures, regarde déjà. Oh là là, puis son petit blouson, hein, impeccable. 20€, la dame, elle le vendait. Je les ai vus sur Amazon, 59, je crois, ceux-là. Et en plus, il a été acheté en décembre. Donc, il est pratiquement tout neuf.
Voilà, le petit grand pour s'asseoir. Et puis, 1, 2, 3, 5 crochets. Puis là, vous pouvez mettre un porte-manteau, mettre un truc dessus. Donc voilà, il a pris sa place dans l'entrée, parce que la porte est là. Et quand on rentre, hop, on pose le blouson. Impeccable. Je suis contente. Allez, des bisous.